Walk, little walk, small talk, big thoughts, gonna tell them all just what I want. That street, two streets, I see you and me hanging on the empty swings. Hey, salut tout le monde, c'est Pixel Razi et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne, une vidéo sur le jeu Limbo, l'épisode 6 de notre aventure, donc j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien, donc actuellement j'ai la voix un peu... explosé, je m'en excuse pour si j'ai du mal à parler. Ah mince, si j'ai du mal à parler pour aujourd'hui, donc excusez-moi. Voilà, donc on se trouve sur Limbo, donc je refais plus ou moins ce que j'avais fait à la fin de l'épisode précédent, c'est-à-dire ceci. Donc ce n'est pas compliqué, on a juste à faire ça. On va monter. Ah merde, non, putain, non, non, ah. Cela commence bien. Juste un truc. Excusez-moi. Dans mon casque, on va baisser un peu le son. Voilà, 18%. Au pire, je le monte. Mince. Au pire, je le monterai après. Donc, ben, on va récupérer. Non, attendez, il faut que je me réhabitue au clavier. C'est contrôle. Là, j'ai joué comme si je jouais à Minecraft, c'est-à-dire avec la main gauche. Et il faut que je joue à la main droite. Sinon, ben, c'est plus chiant. Voilà. Donc, que dire de plus? Que dire? Ben, ah, il faut que je descende ça, je pense, pour pouvoir après repasser les missiles. Enfin, pas les missiles, mais la mitraillette qu'il y a là-bas. Je pense qu'il va falloir que je... Ouais. Parce que vous voyez en bas, là il y a une mitraillette. Donc si elle nous spotted, elle va nous tirer dessus. D'ailleurs, je trouve pas ça logique. Elle nous tire dessus que si elle nous capte. Et pourtant, il y a une boîte qui... Elle devrait tirer sur la boîte. Ce n'est pas logique. Ouh. Donc, techniquement, si je fais ça, il y a cette boîte qui monte, certes. Comment je monte dessus? Oui, il faut faire flèche du haut. Ah non, oui, du coup, c'est flèche du bas pour sauter. Ça fait super longtemps que j'ai pas joué à Limbo aussi, les gens, hein. Il faut que vous pensiez. La dernière fois que j'y ai joué, bah, c'était la date de parution sur la première chaîne YouTube, enfin sur la première chaîne, sur la chaîne Pixel Drazi, où j'avais mis en ligne la série. Et l'épisode 5, ça fait un petit moment, ça fait un peu plus d'un mois, je pense, qu'il est sorti sur Pixel Drazi. Et voilà, tout simplement. Tout simplement. C'est bien joli de faire tout ça, mais ça va me servir à quoi? Parce que là, il y a eu des bruits bizarres. Ça va me servir à rien là. Si on compte. Il y a des bruits bizarres, hein. Et je sais pas si ça vient... non, là par contre... Il va me falloir les deux caisses. Ah mais si, c'est bon, j'ai compris. Ça va être un truc de timing. Ça va être la merde d'ailleurs. Ça va être bien la merde. Genre lui ici, histoire de situer, lui là-bas. Et ça a foiré. Eh hey, mais j'aurai jamais le temps. C'est abominable. Comment on peut faire? Il y a cette caisse qu'il va falloir que je pousse plus ou moins là.
Excusez-moi. Ah putain, à chaque fois je saute dans le mauvais sens, il faut que je me réhabitue à ça. Lui, je dois faire genre comme ça. Et elle... Ah oui, j'ai compris. Non, en fait, j'ai pas du tout compris, mais je pense avoir compris la situation. Oui, oh, c'est le GG de moi-même. Oh, je suis trop un BG. Moi, je dis, il faudrait l'applaudir. Il faudrait m'applaudir. Merci moi-même. Donc, il y a toujours un bruit ici. Je sais pas si ça vient du jeu ou de moi. Enfin, de mon micro. Donc, ça, c'est chiant. Donc, si je fais ça. D'accord. Et si je fais ça. D'accord. Si je fais ça plus ça et que je désactive ça. D'accord. Mince. Est-ce qu'on peut monter là-bas? Oui, on peut monter. Et si je viens là? Ça sert à rien, ok, mais je peux monter là-dessus après. Bon. Visiblement, ça sert à rien. Ah, j'ai peut-être trouvé le truc. Ça monte les deux ou pas? Oui, ça monte les deux. En fait, il faut que j'en ai un qui reste là-haut. Est-ce qu'on peut grimper à ce corps? J'aimerais que je dois apporter une pièce. Ah oui, faut faire ça d'abord. Et l'autre truc, je pense. Non, c'était pas du tout ça. Ça avait l'air cohérent. Ah, c'est chiant ce genre de jeu parce qu'on sait pas du tout quoi faire. Je comprends bien ce qu'il faut faire, mais il y aurait pas un machin à récupérer ici ou là-bas? Je sais pas, on a un machin. C'est super utile. Un chronomètre à faire, je sais pas. Il y a pas d'objet à faire. Donc c'est bon, ça pourrait récupérer, on ne rien, mais. Donc il n'y a rien à faire, tout est là-bas, il faut trouver la solution. Au niveau de temps, j'aurais jamais le temps de sprinter, de faire ça et. Alors là, je suis bloqué à un dilemme, les gens disent de puissance, c'est impossible. Pourtant, c'est super facile à faire. Est-ce que c'est possible d'en venir? On va faire planter la batterie, ça part à longtemps. Faut trouver un moyen d'avoir un des deux qui soit indépendant. Et ça c'est chaud. Soit celui-là là-haut qui reste indépendant. Soit celui-là là-bas, mais... Je peux pas inverser la gravité, ou genre la désactiver par en haut, je sais pas. La caisse du haut, mais dans ces cas-là, il faudrait que je puisse monter ici. Putain, les tirs, j'ai déjà fini ce jeu, c'est ça le problème. Non, là vraiment, les gens, je bloque. Je bloque. Et du coup, je ne sais absolument pas quoi faire. Même si je fais ça rapidement, c'est les deux qui partent. Du coup, ça sert à rien. Hein.
Ah, peut-être. Oui! Voilà, je me disais, il y avait un machin à faire avec le. Oh putain! C'était laborieux. Et oui, l'autre il est plus en hauteur, du coup, c'est juste un délai, un truc de temps. Et eh ben oui! Putain, je sais pas pourquoi j'ai galéré autant d'ailleurs, parce que il est pas compliqué à faire quand on y pense. Hein. Alors. Wow! Oh putain! Oh! Non, attends! Oui, c'est cool ce que je viens de faire, mais comment je saute? Ah oui, il faut faire flèche du bas à chaque fois, j'oublie. Non. Ah, je suis deg. Mais j'ai compris le bordel. Oh, ça va, ils font pas leur pute. J'ai pas à recommencer. Allez. 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 Non! Ah là là. Putain, c'est horrible. Au fait, les gens, je voulais vous dire par rapport à Minecraft. J'ai ouvert il y a peu, enfin il est fermé, mais j'ai lancé un serveur sur Minecraft. Pourquoi il est fermé pour le moment? Parce qu'en fait avec mon collègue, mon copain, nous sommes en train de créer le serveur, la map et tout. Yeah, je suis un PGM. Et oui, donc nous commençons à créer un serveur et il ouvrira, on espère, d'ici janvier 2014. Ce serait vachement cool qu'il puisse ouvrir d'ici janvier 2014. Mais j'ai de forts doutes quand même, parce qu'il faut finir le site, il faudra finir la map et tout, parce qu'en fait on fait merde, putain. On fait le serveur, mais vous le verrez que quand une fois qu'il sera plus ou moins bah, avancé, c'est-à-dire on va pas créer un serveur et vous lancer sur une map où il n'y a rien. Donc il y aura un minimum de règles, un serveur avec une ville et tout. Non, non, oh, 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 Jésus, Marie, Joseph, saute, non, je suis dégoûté. Et vous, êtes-vous dégoûté? Mais bien sûr que non, vous n'êtes pas dégoûté, parce que c'est moi qui fais la vidéo. Là, 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 non, je n'aurai pas le temps. Tac, 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 tac. Et merde, bon, on le redescendra. Allez, allez, allez. Come on, guys! Go 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 go. Voilà. Oh non, j'ai lâché trop tôt par peur. Je suis deg encore. Mais pire qu'avant. Et oui, donc nous allons lancer un serveur Minecraft. Alors ce serveur Minecraft, qu'est-ce que ça sera? Ça, c'est un serveur Minecraft, no cheat, no. Non, rien du tout. Et oui, donc c'est pour ça que ça prend du temps aussi. C'est parce qu'en fait, on le fait no cheat le serveur. Ça, c'est un truc qu'on s'est dit. On ne cheat pas pour le serveur. La seule chose qu'on a cheaté, plus ou moins, c'est le fly, le temps d'explorer un peu la map. Le monde. Notamment parce que moi, j'ai fait une map. Vous savez, les maps Minecraft où j'ai mis la plus grande taille. Je l'ai exploré en créatif. Parce que tout faire en marchant, c'est la merde. Franchement. Oh putain, j'étais à 5 pixels. C'est la merde, alors que ça m'aurait pris 3 jours, alors que là ça m'a pris 1h30 pour tout explorer. Donc ben, j'ai gagné du temps. Et sur ce temps de gagner, ben, je pourrais faire des constructions. Voilà, tout simplement. Oh putain, mais sérieusement, c'est pas compliqué pourtant. Allez.
Là, 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 là. Command, 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 command. Command! Bon, là, je savais que c'était perdu, mais bon, ce n'est pas grave. Ouais, et donc ce serveur, je vous dis pas le nom pour le moment parce que YOLO, j'ai pas envie de le dire, même si on sait déjà plus ou moins comment il va s'appeler. Mais j'ai pas envie de vous dire le nom parce que j'ai pas envie que des gens commencent à venir nous voler notre nom de domaine pour le site web et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Et tout. Voilà. Ce serveur sûrement, d'ailleurs, sera sur un launcher. Pourquoi un launcher? Parce que c'est le graal de tout serveur, les launchers. C'est-à-dire que un launcher sur Minecraft, ça permet au serveur d'avoir des mods tels que Smart Moving dessus, mais aussi de pouvoir rester à jour. Pas à jour par rapport à Minecraft, mais à jour par rapport aux gens. C'est-à-dire que. Par rapport à CraftBucket, c'est-à-dire que si Minecraft passe en finale 1.8 par exemple, eh bien le serveur sera encore en finale 1.7. Et le temps que CraftBucket et tout ça, l'hébergeur, nous sortent une version stable de Bucket 1.8. Voilà. Voilà! Eh bien c'était pas compliqué. Il faut sauter, je crois! Eh bien non! Il ne fallait pas sauter. Enfin, je crois. Ok, j'ai compris ce qu'il fallait faire. Vous voyez la flèche, en fait, c'est un interrupteur. C'est-à-dire qu'il va falloir sauter. Et voilà. Ah! Ah! Il y a une scie sauteuse! Non, 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 monte, 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 monte. Non! Je me trompe à chaque fois parce qu'en fait. Je saute par rapport à la gravité. Oh! Ok. C'est chaud, hein. C'est chaud. Ah putain! Putain! Oh, notre limbo, là, il s'est écrasé contre un mur, c'était violent. Non, 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 non! J'ai rien finir ça avant la fin de la vidéo. Parce que. Je fais que de la merde. Wouh! Allez. Comment tu peux le faire? Voilà. Ça c'est easy caramel. Non, j'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde, j'ai fait de la merde et voilà. Bon ben c'est pas grave les gens, donc du coup on va se retrouver très prochainement pour une nouvelle voiture. Une voiture. Nouvelle vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce vert, un petit commentaire sur la vidéo, ça me ferait grand plaisir. Et sur ce, moi les gens, je vous dis ciao tout le monde. Don't stop, don't stop talking to me. Stop, don't stop, don't stop giving me things. Stop, don't stop, don't stop laughing about it.